Faire le point sur le concours qu'on a lancé l'autre jour. Bah écoute, extraordinaire. Je sais pas, peut-être 20 minutes après le lien, j'ai eu des premières réponses. Alors il y a des gens qui ont testé, hein. Ils ont mis 8 réponses. Facile, c'était les 8 qui étaient ceux associés au plan de communication du livre. Donc c'était pas l'exercice. Ouais. Et il y en a qui sont allés jusqu'à 19, hein, 19 sur 20. 19 sur 20, c'est quand même une belle performance. Donc finalement, ça y est, hein, les 10 sont distribués. Alors ce qui est très marrant, c'est que la dixième, elle travaillait dans une boîte. Et celui d'après travaillait dans la même boîte, mais ils avaient deux noms différents. Alors j'ai supputé que comme elle a gagné, elle a dit « Tiens, regarde, je te donne les bonnes réponses, etc. Bon. » Et j'ai dû dire au onzième que désolé, il n'y en avait que 10 de prévu, et donc ils allaient se le partager, globalement. Ça sent le joueur professionnel. Voilà, bon. Voilà. Donc non, mais c'est bien l'exercice. C'est vrai que quand même, quand on regardait sur Internet, on avait au moins 10 ou 11 noms facilement. Mais c'était quand même 15, donc fallait quand même... connaître les autres. Bon, ok, donc ça c'était une bonne opération. Alors aujourd'hui, on est quoi? Le jeudi 10 le jeudi 10 mai, donc oui. Lancement officiel. On est dans une très très belle salle Place Vendôme. T'as touché ton chèque de 100 000 euros ou... Voilà, non, moi, c'est juste un partenaire de longue date. Et donc, il y a 150 personnes qui seront là ce soir, une quarantaine de VIP. Alors, les VIP, on va dire que c'est les personnages emblématiques du PIF. Est-ce que tu sais ce que c'est que le PIF? Le paysage Internet français. Exactement. Ah, je suis bon. Hein. À l'instar du PAF, dans l'audiovisuel. Et donc, voilà, donc, il y a une quarantaine de personnes du PIF. Il y a 90 e-commerçants emblématiques et puis une vingtaine de médias. D'accord. Et le PIF, ça n'a rien à voir avec PIF le chien? Eh bien, écoute, il y a peut-être des similitudes. Il devrait y avoir. Mais il y a un gadget. PAF le chien. Il y a PAF le chien aussi quand il se fait écraser. Donc, et j'ai bien aimé hein, sur le petit truc là, qui bouge dans tous les sens. C'est rigolo, ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance dans la tête. Voilà. Bon, au prochain bouquin. Au prochain.